Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Bienvenue dans l'atelier pâtisserie du vendredi après-midi. Alors aujourd'hui, je vous propose un gâteau américain. Donc Isabelle, mon commis pâtisserie, on change de rôle. Le mardi, je suis son commis cuisine. Voilà. Donc le vendredi, c'est moi. Voilà. Travail d'équipe. Alors Isabelle. Alors, pour le gâteau américain, il nous faudra en ingrédients 300 g de farine. Voilà. 3 œufs. 3 œufs. 200 g de sucre en poudre. Voilà. 200 g de beurre. Voilà. Un sachet de levure chimique. De la cannelle. Et muscade. De la muscade. Et ce sera tout, un moule. Pour mettre la pâte après. Voilà. Là, voilà. Il faut prendre la farine. Voilà. Donc avant de mettre votre farine, n'oubliez pas d'allumer votre four. Thermostat 6, 180 degrés. Pour qu'il soit chaud au moment où on mettra en cuisson. Donc là, 300 g de farine. C'est ça. 3 œufs. Voilà, mon commis a une panne. 200 g de sucre. Donc, mélangez, ben, soit vous le faites au robot, ou vous le faites à la main. Donc moi, c'est à la main, à la bonne franquette. Voilà. Alors, le sucre. Voilà, donc je vais le faire en deux fois. Donc, le départ du mélange à la main, les enfants ne l'ont pas trop apprécié parce que, comme vous pouvez constater, ça colle. Et après, ils ont pris goût. Parce que c'est toujours impressionnant au départ. Donc là, le sucre, c'est fait. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que le groupe de pâtisserie du vendredi et Robert sont ravis de me voir la main à la pâte. En action, avec Saint-Gerland. Et de leur faire honneur, parce que jusqu'à présent, Isabelle, il faut être honnête, j'ai pas encore mis à louper. Ouais. Donc là, le beurre température ambiante. Et on mélange bien. Voilà. Donc là, je le fais avec l'huile de coude. Voilà. Merc. Ça colle. Un peu de cannelle. Donc la cannelle. Donc vas-y, tu m'en mets, je dirais stop. Donc la cannelle, c'est en fonction des goûts, hein. Vas-y. Ah, oh, oh Isabelle. Donne-moi une petite cuillère, là il y en a trop, hein. Ça va peut-être aller. Non. Alors Isabelle, à la main lourde. Il y a des gros trous. Ouais, ouais. Ça va aller. Ouais, ouais. Ça va aller. Non, non, non. Alors la muscade, non mais appuie fort, ça coule pas. Vas-y, et on mélange bien. Hop, 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 hop. Donc voilà, donc la pâte est prête, elle est faite. Alors, donc là, on va laisser la pâte se reposer 5 minutes. Voilà. Voilà. Je jette donc mon beurre. Voilà. Et je vais beurrer. Donc surtout, on en met bien, surtout sur les côtés. Voilà. Donc là, mon moule est bien beurré. Je mets de la farine. Donc pas trop. Je pense que tu peux commencer à je vais mettre dans le moule. Et puis... ça n'a pas trop voilà. Changé. Donc voilà comment est la pâte. Voilà. Donc là, nous, on le met dans un moule.
Mais ça peut être présenté dans des muffins. Vous pouvez le mettre aussi dans des petits ramequins, des petits muffins qui se mettent au four. Voilà. Hop. Ceci étant fait, pendant 20 minutes, vous allez enfourner. N'hésitez pas entre-temps de vérifier la cuisson, de prendre un couteau, de piquer pour vérifier que ce soit cuit ou non. Parce que d'un four à l'autre, les cuissons sont différentes. Voilà, les 20 minutes passées, nous sommes de retour. Voilà, donc nous avons sorti du four le gâteau. Voilà ce que ça donne. En direct, nous allons le démouler. Donc, je prends une grand-masse. Et voilà ce que ça donne. Donc, peut-être qu'on va le couper pour voir au milieu ce que ça donne. Mmh. Ouais, pour faire montrer la texture. Ouais. Donc, il est bien gonflé. Voilà. Impeccable. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Bonne odeur, bien gonflé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, il peut être utilisé comme gâteau d'anniversaire. Mmh. Donc, vous pouvez l'agrémenter avec un peu de chocolat, des Smarties, pour écrire joyeux anniversaire, le prénom de l'enfant. Vous mettre du... C'est du sucre. Sucre du glace. Du sucre glace, du... Faire un pochoir et puis avec du sucre du glace. Du colorant alimentaire avec du sucre pour faire... C'est vous qui voyez pour la garniture. Voilà, nous on vous l'a fait brut de décoffrage. À vous de laisser votre inspiration pour la déco de ce gâteau. Voilà. Eh bien écoutez, on vous dit bonne dégustation et on vous donne rendez-vous vendredi prochain, voilà, même heure, 14h30. Et n'oubliez pas d'aller chercher votre recette sur le site Facebook Centre Social de Montignan-Gouëlle. La ville de Montignan-Gouëlle. Allez, bon week-end, bonne dégustation et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à vous, au revoir.